Bonjour, 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 bonjour. Alors, j'ai 20 minutes avec vous avant que je me déconnecte. J'ai top chrono 20 minutes parce qu'il faut que j'aille au travail. Yes! Yes. Mince. Comme je dis, round two. En deux temps, trois mouvements, j'ai 200 personnes qui se connectent. Oh yes. Bonjour, 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 bonjour. Sois patiente, pourquoi tu es pressée? Lago, ces machins chouettes là, toi tu fais la honte des crapauds camerounais. Mais je vois même si les gens, les gars sont là pour insulter, pour critiquer. Mais j'ai dit round two, en l'espace de 5 minutes, j'ai 300 personnes qui sont connectées. Vous êtes drôle. Sincèrement, vous êtes un peu drôle. Oh là là. Ok. Bah écoutez, j'aurai pas le temps d'attendre une heure de temps avec vous aujourd'hui. Je n'en ai que pour 20 minutes, s'il vous plaît. Donc je suis un peu malheureusement pressée. De toutes les façons, on va revenir là-dessus. Ok, sous le pull au vert, il n'y a rien. Bref. Alors, je vous dis bonjour. Et je suis contente en fait. Je suis trop contente. J'ai vraiment trop bien dormi. Et, depuis hier, j'ai le sourire jusqu'aux lèvres et tout. En fait, j'ai passé 4 jours. Franchement, j'ai passé 4 jours où des gens sont venus inbox, m'insulter avec un montage photo. D'une fille qui n'était pas moi, on m'a tagué sur des posts, des gens qui s'acharnaient. J'ai dit non, mais attendez, 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 attendez. Et donc, ça m'a fait rire parce que les gens sont venus me parler et les gens sont venus me conseiller en disant ouais, tu dois être, comment dire, déboussolé et tout ça. J'ai dit, mais vous n'avez rien compris en fait, vous n'avez rien compris. Quand quelqu'un s'engage dans un combat, il s'engage pour de vrai, whatever happens, quoi qu'il arrive. Je me suis engagée dans ce combat et au départ, c'est vrai, il y a 2 ans, j'étais novice. Je ne savais pas à quelle pouvait être l'étendue en fait de la méchanceté camerounaise, des Camerounais en fait. Je ne savais pas. Dans un premier temps, j'ai eu des gens qui m'ont attaqué personnellement. Parce que j'ai des convictions, j'ai ma position, mes positions, mes façons de penser, de parler. On m'a traité de pute, d'arriviste, de parvenue, etc. Et quelques temps après, on s'en est pris à ma famille, personnellement. Et c'est des moments, en fait, que si tu n'es pas prêt psychologiquement, en fait, tu vas tout laisser tomber, tu vas tout abandonner. Je vous disais hier que je me suis retrouvée dans un groupe. KKNS, que je vais jamais oublier, hein, où ils ont sorti des photos
toujours des montages, en fait. C'était pas moi. Ils avaient dit que c'était moi. Et à ce moment-là, j'ai pas fait direct, mais j'ai balancé mes photos à moi. Et j'ai compris en réalité que, en fait, les Camerounais, en fait, dès que tu n'es pas d'accord avec eux, en fait, la menace, c'est-à-dire la menace qui est au top de la menace, comme on dit le summum, c'est que, en fait, quand tu, comment dire, t'es pas d'accord avec eux, ils te menacent d'afficher tes photos à poil. Quand j'ai compris ça, je me suis dit, c'est quand même grave que quelqu'un, parce que tu es en désaccord avec lui, il est capable, en fait, d'en arriver jusque-là. Et dans ce groupe-là, il y a une fille en particulier que je ne vais jamais oublier, qui avait tout fait, qui était venue pendant qu'on se moquait de moi et tout ça. Elle enfonçait le clou, elle enfonçait. Et curieusement, quelques mois après, c'était son tour de passer à la casserole. Sauf que, à sa différence, moi, je suis allée la défendre. Je ne suis pas allée enfoncer le clou. Pourtant, je suis allée la défendre. Et j'ai compris en réalité que dans ce combat, dans cette lutte que nous menons, là où les gens vont voir pour nous attaquer, en dessous de la ceinture, au-dessus de la ceinture, ils ne vont pas hésiter une seule seconde. C'est-à-dire que les méthodes seront des plus lâches. Les méthodes seront des plus avant-gardistes, c'est-à-dire l'imagination sera terrible. Mais ils feront tout quand même pour vous déstabiliser. J'ai compris ça. Et je me suis défendue dans ce forum. J'ai compris que, avec les Camerounais, en fait, à partir du moment où ils pensent qu'ils t'ont, à partir du moment où ils pensent qu'ils ont ta faiblesse, ils vont tout faire pour t'anéantir. Ils vont tout faire pour te museler. Et donc, ça m'a encore renforcée. Je dis bien renforcée. Ce qui fait que malheureusement, je suis désolée, honnêtement, pour ceux qui m'attaquent. Je suis désolée, mais honnêtement, les attaques sur mon physique, sur ma personne, les attaques en faisant des montages saugrenus pour dire que c'est toi, ce n'est pas toi, etc. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et donc, pendant que je me défendais, avant-hier, on a tellement signalé mon compte qu'on me l'a bloqué. Et du coup, je ne pouvais plus faire de post, je ne pouvais plus commenter. Je leur ai dit, bon, écoutez, on va faire simple. Vous voulez voir les photos à poil? Ben, je vais vous montrer. Vous voulez voir les vidéos à poil? Ben, je vais vous montrer. Et je vais vous faire comprendre que on ne me fait pas le chantage, en tout cas pas de ce côté-là. Vous avez plus de chances de réussir ailleurs, autrement, que par ça. Parce que j'ai déjà vécu ça une première fois. Et ça m'a durci, comme on dit. Quand les gars viennent m'attaquer, ils me disaient qu'avec la face comme le dos du caïman, ils ne savent pas. Ma face a durci. Mon front a durci comme le ciment. C'est-à-dire qu'en face des problèmes, je fonce comme le buffle, le papa, le cogne. Et j'ai dit, yes, j'encaisse le choc. Donc les Camerounais, ils ont essayé par tous les moyens. Ils ont tout fait. Attaquer ma mère, prendre les photos de ma mère, m'insulter. Ils ont tout fait. Ils ont tout fait. Mais le résultat est là. Personnellement, je ne me sens pas attaquée. Je ne me sens pas mal. Parce que on aurait pris une photo de moi et on aurait fait un montage. Non. Je ne me sens pas mal, je ne me sens pas attaquée ou même dévalorisée. Parce que même si c'était mes vraies photos, je ne me sentirais pas mal. Parce que moi, je suis quelqu'un qui s'assume. J'ai compris en fait que pour ne pas être vulnérable dans ce combat, il faut être prêt à encaisser tous les chocs. Je dis bien tous les chocs. Parce que ceux qui viennent pour t'attaquer viennent avec le but de t'anéantir, de te mettre à plat pour que tu ne te relèves pas. Donc, quand tu sais de quoi ils sont capables, tu prépares le mental et tu te dis whatever, peu importe ce qu'ils vont faire, tu es là et tu y restes. Tu es debout et tu ne flanches pas.
Et ça, ils n'ont pas compris ça. Et donc, lui, hier, j'ai choqué mon auditoire. Oui, je sais, je vous ai choqué. Je vous ai choqué. Parce que quand les gens t'attaquent, ils ne s'attendent pas en fait à ce que tu répondes d'une certaine manière. Ils vont te dire, la plupart des gens qui sont venus m'attaquer sont venus me dire, ah ouais, c'est toi, nanani et tout ça. Ils s'attendent à ce que tu dises, mais ce n'est pas moi. Et puis ils vont te répondre, non, c'est toi, tu mens. Et donc, bah écoutez, ils sont très loin de prévoir le type de réponse. Parce qu'au final, ma réponse a eu plus d'écho que l'attaque. Et c'était ça le but. C'est-à-dire que si vous voulez l'information, prenez l'information à la source. Et sur ce point, je suis cohérente. Dans tous mes directs, j'ai toujours appelé les gens qui me suivent à être cohérents. Et à dire que si vous voulez les informations, prenez les informations à la source. Cherchez les informations depuis la source. Ne prenez pas les photos fabriquées en mille et une pièces pour, je ne sais pas moi, venir fomenter ou je ne sais pas raconter des histoires. Mais bon, comme chaque buzz a son temps, écoutez, tout le monde a voulu se greffer à mon buzz. Chacun est venu, oh, tu as fait quoi? Oh, ma fille, nanani, ma fille. Curieusement, quand les photos là sont sorties, je n'ai pas vu les ma fille que j'ai vues hier venir me donner les leçons de morale. J'ai eu plein de personnes qui sont venues en inbox. Oh, ma fille, tu sais que, oh, ressaisis-toi, tac, 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 tic, 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 tic. Mes chers parents, vous êtes donc où quand on m'attaque? Vous qui m'appelez ma fille, vous qui êtes prêts à prendre vos muscles pour venir me donner les conseils en inbox, quand on m'attaque, quand on m'insulte, pour justement que je me sente encouragée, soutenue et que je n'ai pas besoin de le répondre à ma manière, je ne vous vois pas. Je ne vous vois pas. Vous étiez donc où quand on a fait des montages contre moi injustement, envoyés à ma mère, etc. Vous étiez où? Vous n'étiez pas là. Donc, excusez-moi, mais à un moment donné, il est facile de donner les leçons de morale et de dire, oui, tu aurais dû, tu n'aurais pas dû, tu devais, tu ne devais pas. Si vous voulez donner les conseils, allez créer vos cabinets de conseils et faites preuve d'expérience. En ce qui me concerne, depuis que je suis là, personne ne m'a jamais prodigué ses conseils et ça a marché. Les gens sont aptes ou alors prêts à venir vous donner les conseils qu'en réalité, eux-mêmes ne pratiquent pas. Mon direct n'était pas choquant. Je vous ai montré deux tétons et une partie de ma courbe, de ma hanche, et puis c'est tout. À aucun moment, personne ne vous a... vous ne vous êtes demandé, mais si elle en arrive là, parce qu'à un moment donné, mine de rien, c'est quand même quelqu'un qui a fait des directs, etc., qui défend des causes. Si elle en arrive là, qu'est-ce qui l'a poussé là? Non, j'ai vu des personnes venir me donner des leçons de morale. Tu es monté, tu es descendu, tati, tata. Je vais vous dire une chose. Je suis rentrée dans ce combat parce que j'en avais marre des injustices. J'ai perdu 3 années de ma vie à l'université de Douala. Parce que l'université, le système éducatif au Cameroun est nul. Je dis bien, c'est nul. Il y a plein de jeunes là qui ont des masters, des licences, qui jusqu'à aujourd'hui n'ont pas leur diplôme. Ils sont très nombreux, les Camerounais, qui n'ont personne pour leur payer de véritables études. C'est ça qui m'a ramené dans ce combat. On m'a appris dans ce combat à défendre le plus faible. On m'a appris dans ce combat à défendre le plus faible en face du plus fort. Que le plus fort soit BIA, que le plus fort soit la société, que le plus fort soit dans nos rangs. On m'a appris ça. Et c'est les valeurs que je défends. Mais quand je défends ces valeurs-là et que j'ai en face de moi des gens que je ne maîtrise pas, je ne maîtrise pas ce qu'ils disent, je ne maîtrise pas leurs insultes en mon encontre, j'ai en face de moi des gens qui sont prêts à aller dans la rigole pour créer des choses contre moi. Je suis désolée, à un moment donné, il faudrait que je dise stop. Je peux vous choquer peut-être par ma démarche ou par ma méthode, mais la méthode n'est pas le problème. Le problème, c'est est-ce que l'objectif est atteint? Ce que je veux dire est simple. Ce que, comme on dit, il y a un adage qui dit « tout chemin mène à Rome ». Beaucoup de gens ont pris ces photos-là, ont publié, partagé partout. Même dans nos rangs, dans la Révolution, j'ai vu ça. Et je me suis dit, c'est simple, hein. On va éclaircir les bêtises et on va le faire
comment dire, on va régler ça comme le sparadrap. Quand on enlève le sparadrap, on va faire schlax, comme voilà, comme une épilation à la scie. Et là, voilà, au moins ce sera réglé. Et je l'ai fait en toute âme et conscience. Si vous pensez une seule seconde que je regrette, si vous saviez. Bref, je l'ai fait. Mais encore une fois, ce qui me caractérise, ce qui me définit, ce pourquoi je suis là, c'est le combat que je mène. Et jusqu'ici encore en interne, jusqu'à hier encore, j'avais des gens qui m'écrivaient et qui me disaient, Stella, écoute, j'ai ci, j'ai ça, je vis mal ci, je vis mal ça. Et ces personnes-là s'en foutaient de ce que j'avais fait. Elles avaient besoin de moi et je leur ai accordé mon aide. Et c'est tout ce que je demande. Aider les gens comme moi, on m'a aidé, sans rien attendre en retour. C'est tout. C'est simple. Voilà le 8 mars qui arrive. On va se placer et on va défendre encore une fois les droits de la femme. Défendre les droits de la veuve. Défendre les droits de la jeune fille. Défendre, défendre, défendre. Et je fais partie de cette personne. Je suis une jeune fille que les gens, justement, s'évertuent au jour le jour à vouloir museler, fermer, attaquer, emprisonner, attacher. Je suis sûre que ma méthode n'est pas la meilleure. Mais encore une fois, en France, ici, même dans les manifestations, tu as des femmes qui font des manifestations avec les seins en l'air. C'est pas pour autant qu'elles sont des dépravées. Je ne suis même pas d'abord là pour me justifier. Mais mon direct, c'était pour vous faire comprendre que le plus important, c'est nos valeurs. C'est ce qu'on défend. Avant même qu'on nous parle de révolution, avant même qu'on nous parle de chasser Biya, le plus important, c'est ce qu'on défend, ce qu'on a là dans le cœur, ce qui nous motive. Arrêtez de juger les gens par rapport à la coque, l'apparence, ce que vous voyez. Regardez beaucoup plus profond que ça. Faites des analyses et approfondissez vos débats. Regardez au fond et dites, posez-vous les questions sur les personnes, sur leur motivation. Et à partir de là, je suis sûre que vous saurez faire la différence entre le trash et la vérité. Quoi qu'il en soit, j'ai au moins compris une chose. C'est que, bah écoutez, quand on fait un direct pour faire un striptease en l'espace de 2, 3, 4 secondes, bah écoutez, on a l'audience qu'il faut. Donc, je peux vous rassurer que les prochains jours, il faudra communiquer sur le 8 mars. Il faudra communiquer sur la marche internationale. Il faudra communiquer sur voilà, les prochains événements. S'il le faut pour vous attirer, bah écoutez, moi je ferai mes directs à 100 nuits. Hein. Vous devez déjà vous habituer à ça. Si c'est ce qu'il faut pour vous attirer, et qu'il faut surtout pour énerver certaines personnes, bah écoutez, puisque c'est ça que les Camerounais aiment. Les prochains événements qui arrivent, bah moi particulièrement, je ferai mon direct à 100 nuits. Vous serez 1000 personnes à m'écouter, quitte à ce que vous regardez ma poitrine, c'est pas grave, mais au moins vous allez comprendre ce que je dis. Donc, sur ce, je vous embrasse et à très vite, très très vite même, dans les prochains jours.